Bonjour à tous les amis, aujourd'hui 9e jour de l'aventure éveil à Paris. Je vous retrouve à l'aéroport d'Orly. Oui, vous le savez, j'aime bien les surprises. Ce petit trip de 10 jours en République tchèque, c'était le début d'une nouvelle aventure. J'ai juste passé voilà une journée ici, hier à Paris. Hier matin, je suis donc rentré de Prague. Je suis resté à Roissy un petit moment parce que j'avais un test PCR à faire. Le pays où je vais aujourd'hui, même en étant vacciné, vous devez faire un test PCR de moins de 48 heures. Donc hier matin, voilà, c'était un peu le bordel. C'était le merdier, faut dire ce qui est. L'organisation à Roissy hier là pour faire les tests, c'était vraiment n'importe quoi. Ils ont eu un problème de réseau. J'ai attendu 3 heures alors que j'avais un rendez-vous. Bref, le test est fait. Je viens de m'enregistrer. Tout est bon. Et les amis, sur cette carte d'embarquement, il y a écrit Paris, Tanger. Tanger au Maroc. Oui, je pars au Maroc. J'ai du mal à le réaliser. L'année dernière, vous le savez, si vous avez suivi les vidéos, bien sûr, j'avais découvert la Tunisie, ça m'avait beaucoup plu. Cette année, j'ai décidé de découvrir le Maroc. Je vais rester un mois au Maroc, un mois pour explorer ce beau pays, en commençant bien sûr au nord à Tanger, et puis on va descendre tranquillement vers le sud. J'ai très 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 hâte de découvrir ce pays. Je vais vous faire 2-3 plans dans l'avion, je suis côté hublot, et on va se retrouver directement à Tanger au Maroc. Premier jus d'orange marocain. Il est bon. Il est très bon. Jus d'orange de Maroc, il est première qualité. Il est excellent. Les amis, ça y est, je suis arrivé au Maroc. Je suis dans la ville de Tanger. Je viens juste de descendre du taxi. Bon, déjà, il fait chaud. Il fait chaud, ça fait plaisir, du soleil, de la chaleur. Ça fait tellement plaisir. Donc oui, comme je vous le disais, je ne suis toujours pas allé à l'hôtel. Je suis juste arrivé à l'entrée de la Médina de Tanger et j'ai vu ce petit marchand là de jus de fruits avec les oranges. Je sais que les oranges ici, elles sont délicieuses au Maroc. Je voulais absolument goûter à mon premier jus d'orange au Maroc. C'est chose faite. La bouteille 14 dirhams, ça fait dans les 1,30€ ou 1,50€. Je me pose ici un petit peu et puis normalement mon hôtel doit être à... Je sais pas exactement, en fait là je suis pas connecté, j'ai pas de carte de SIM et je l'ai pas repéré sur la carte. Mais normalement il est pas loin. Pour l'instant je profite un petit peu, il y a un petit vent ici là. Il y a la mer juste derrière, ça fait plaisir. Les premiers instants c'est toujours assez magique quand on découvre, voilà, dans les premières minutes comme ça un pays. Ça y est, je suis arrivé dans mon hôtel, un hôtel que j'avais réservé. C'est le seul hôtel que j'ai réservé voilà, pour le séjour au Maroc. Je vais réserver au fur et à mesure pour la suite du voyage. L'hôtel s'appelle Mauritania. J'ai payé 55€ la nuit ici. J'ai payé 55€ pour 3 nuits ici, donc divisé par 3. Ça doit faire à peu près dans les 18€. Je suis en plein cœur de la Médina de Tanger. Je suis même juste sur la petite place qu'on appelle le Petit Soko. Il y a une plus grande place qu'on appelle le Grand Soko. Il est
quasiment 17h, ça va être une petite fin d'après-midi. Information concernant la situation sanitaire ici, il y a eu pas mal de cas là, il y a eu des grosses vagues assez récemment, ça a l'air d'aller mieux, ça a l'air de s'améliorer sensiblement depuis quelques jours, mais il y a en ce moment dans tout le Maroc un couvre-feu de 21h je crois, enfin c'est 21h je suis sûr, et je crois jusqu'à 5h du matin. Alors j'ai réfléchi longuement avant de venir. Bon, en général moi je rentre quand même assez tôt à l'hôtel pour faire le montage, pour bosser, donc je me suis dit 21h ça passe. Alors pour le reste de la journée, mode complètement freestyle, je ne visite rien, si je visite, mais voilà, pas de programme en particulier. Le premier jour je me laisse porter, je flâne un petit peu comme ça. Alors la chambre que j'ai est réservée pour 3 nuits, on a un grand lit double ici, il y a la petite peinture et puis surtout là il y a un balcon qui donne, comme je vous le disais, sur le petit soko. La petite place, on a des cafés en bas, là je vais probablement aller me poser pour prendre un thé à la menthe bien sûr. On a même une vue sur la mer là-bas, avec les montagnes, c'est plutôt sympa. On a ici, bon j'ai pas regardé, mais un placard, oui une penderie. J'ai un bureau ici, une télévision et nous avons donc la salle de bain de ce côté-là, lavabo, miroir, les toilettes et la douche. Salam alaikum. Premier thé à la menthe marocain les amis. Alors j'ai demandé juste un peu sucré, en fait au Maroc juste un peu sucré, c'est très sucré, c'est beaucoup sucré, mais franchement il est excellent, le goût de la menthe là. On terrasse comme ça avec les palmiers devant, il y a le port, fin de journée, il doit être pas loin de 19h, le bonheur. Ouais, kefta c'est bien. Avec des frites ? Ouais, avec des frites. Parfait. Okay.
Ici, la nuit, le matin. Ah ouais! Je vais prendre des photos. Ah, c'est super! Alors, tout ce que j'ai vu durant cette fin d'après-midi, début de soirée, ça m'a déjà beaucoup plu. J'ai pas beaucoup filmé, je vous ai pas beaucoup parlé. Aujourd'hui, c'est comme un petit apéritif, un petit aperçu. Demain, on a une journée entière pour découvrir la ville de Tanger, la médina de Tanger et ses alentours. Et puis, c'est surtout que ce soir, je veux pas faire un montage trop long. J'ai pas beaucoup dormi les deux dernières nuits. La dernière nuit à Prague, j'ai dû dormir 3 heures. Je me suis levé à 4h15 pour prendre mon vol pour rentrer sur Paris. Et la nuit dernière, j'ai terminé le montage de la journée d'avant-hier, donc j'ai pas beaucoup dormi non plus. Mais c'est vrai que ouais, tout ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu, à commencer par la médina, les ruelles, l'ambiance, les gamins qui jouent dans les rues, les thé-à-la-menthe que j'ai bu en terrasse, ça c'était dans le port, je me suis posé tout un moment là-bas, j'étais bien. Les deux grands verres de thé, j'ai payé 16 dirhams, 8 dirhams le verre de thé. Alors je ne l'ai pas précisé, vous l'avez compris, ici on paye en dirhams et le cours actuel on est sur 1€. 10 dirhams, donc la conversion est relativement simple. Je suis remonté, je suis arrivé du côté du Grand Soko, donc de la Grande Place. J'ai très peu filmé, en fait j'ai juste filmé le ciel, parce que le coucher de soleil, en tout cas le crépuscule, parce que j'ai pas vu le soleil se coucher, mais le dégradé de couleurs dans le ciel, on avait du rose, du violet, tout ce que vous voulez, avec les palmiers là, c'était super joli. D'ailleurs je me suis posé en terrasse juste pour profiter, j'ai pris un petit café que j'ai payé 6 dirhams. Je suis ensuite revenu dans la médina, et c'est vrai que quand le soleil se couche là, franchement on se croirait dans un décor de film. Il y a les terrasses de café avec les petites lumières autour, c'est vraiment très joli. Et pour le premier dîner ce soir, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Petite cantine, bonne franquette. J'ai trouvé un endroit, il y avait quoi? Allez, 5 tables à l'intérieur. Un monsieur qui faisait griller des keftas. Enfin, il avait du poisson, il y avait des keftas, il y avait plusieurs choses. J'ai choisi donc des keftas. Il m'a servi ça dans une assiette avec des frites. Il y avait aussi des olives, un peu de pain qu'il a fait aussi chauffer. Je me suis fait un sandwich. J'ai mis les frites à l'intérieur, la kefta à l'intérieur. Repas très simple, mais très bon. Premier dîner marocain que j'aimerais bien entendu dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Nicolas Dupuis du Québec, David Gerlier, Émilie, Gildas et Mina. Merci beaucoup à vous cinq pour votre générosité. Ce premier repas marocain, il était pour vous. Et vous l'avez vu, je termine la soirée sur la terrasse de l'hôtel. Je ne savais pas qu'il y avait une terrasse. Quand je suis rentré ce soir à la réception, le gars, je lui fais « ça va ?» et tout. « Ouais, ça va, très bien. » Il me fait « t'as été sur la terrasse ?» Non, je ne savais pas qu'il y avait une terrasse. « Viens voir. » Donc, il m'a emmené là sur la terrasse. On a une vue. Franchement, magnifique. On a le port d'un côté, la médina de l'autre, tout illuminé. C'est très beau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette première petite journée, ce premier aperçu ici à Tanger. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Tanger au Maroc. Ciao, good night.